moi je vais manger ce genre de gelée. Oui, faites-la pour moi. D'accord. Très bien. Je vous en fais un. De la gelée? Oh, j'ai du Fanta. Je vais ouvrir le couvercle. C'est un peu difficile à ouvrir. Oh. Ouais, je pense que ça marche. Alors? Non. Oh, je sais. Vas-y, tiens-moi ça. Comme ça, encore un peu. Oh, donne-moi ça, donne-moi ça. Oui, bien sûr, vas-y. Ouais, fais attention, Emma. Oui, quelle belle Fanta. Il faut faire de la gelée. Je vais ajouter du miel. Oh, j'adore l'odeur. Il faut goûter tout ça. Miam. C'est tellement sucré. Je vais en reprendre. Vas-y, dans la bouteille. Et oui, bien sûr, la gelée. Juste un peu. Oh, n'importe quoi. Oh oui. Maintenant, je vais tout mettre là-dedans. Vas-y, verse, verse, verse. Encore un peu. Oh non. Il faut faire quelque chose. Oh. Voilà. Tu as où? Oui, juste ce qu'il faut. Oui, j'adore ces abeilles. J'en ai besoin pour la gelée. Oh, 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 oh. Pourquoi vous êtes là? Non, mais pourquoi? Aïe. Non, mais j'ai besoin d'un peu de miel, c'est tout. Oh, je crois que c'est bon. Alors, maintenant, voilà, j'ai du miel. Il y en a tellement. Et il est super bon. Voilà, je vais en mettre un peu. Je vais le verser dans la bouteille. Et je vais bien la fermer. Maintenant, je vais tout bien, bien secouer. Cool. Et maintenant? Ah oui, je vais tout mettre dans le frigo. C'est mieux. Il ne reste plus qu'à attendre. Le chaudron est en place. J'ai une belle araignée. Et un magnifique cafard. Mmh, elle me rend de ce truc-là. Et une poêle magique. Une pilule incroyablement savoureuse. Et bien sûr, une potion magique. Ça sert à une méga gelée magique. Mais qu'en est-il de tentacules de calmar? Ouais, ça va être super. Maintenant, je vais tout bien mélanger. Et voilà. Oh, c'est un délice de sorcière. Moi, je prends le baboba. C'est délicieux, ça. J'adore, c'est tellement lourd. C'est exactement ce qu'il faut. Je vais mettre tout ça dans le mixeur et vraiment beaucoup, juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais le remplir jusqu'au bout. Maintenant, je prends le miel. Oh oui, j'adore la qualité. Maintenant, je vais tout bien mélanger avec le miel. Et voilà. Ouais, c'est de la gelée ouba bouba. C'est parfait. Oh oui. Maintenant, je vais tout verser dans une bouteille. Et bien sûr, refroidissons tout là avec une glace liquide. Regardez, c'est juste ce qu'il faut. Moi, je l'ai la plus délicieuse qui soit. Un look élégant, un arrière-goût inoubliable. Et bien sûr, un peu de paillettes. Des paillettes magiques et rafraîchissantes. Je pense que c'est parfait. Je pense que c'est fait. Wow! J'adore cette bouteille de gelée. Regardez. Oh, wow! C'est tellement lumineux. Je vais commencer par le bleu. J'adore la couleur. Wow! Ouais, c'est super bon, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une abeille? Alors, qu'est-ce que c'est que c'est ensuite? Le rose, c'est appétissant. Oh, comme c'est bon, ça! Wow! Et maintenant, je peux faire des bulles. C'est super amusant et délicieux. Et voilà la troisième option. Oh, c'est un peu moins appétissant, mais je vais quand même essayer. Oh! Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, je préfère pas le boire.
L'heureux, c'est le meilleur. Non, je suis bon. Moi, je veux une sucette cette fois-ci. Comme celle-ci, elle est magnifique. Ah, je sais ce que je vais faire. Je prendrai les poupées. Juste une partie. Pour être exact, je les déconnecterai les bras. Et je vais prendre ce truc-là. Je vais mettre tout ça sur la poêle. Je vais ajouter du sucre, de l'eau. Et je vais tout bien mélanger. Ouais, mon bonbon va être noir. Je vais ajouter le colorant, je remue le tout. Oh oui, je pense que c'est parfait. La sucette est géniale. Maintenant, je vais verser la solution dans un verre. Et je vais mettre le stylo dedans. On va attendre un peu. Et on sort la sucette. Voilà. Du sucre brûlé sur les mains, c'est comme le manche d'une robe de soirée. Quoi faire? Ah oui, une cuillère, ça fera l'affaire. Oh, je vais mettre du sucre. Il m'en faut plus et je vais utiliser le brûleur. Ça sera plus rapide. Ouais, c'est comme de la magie. Oh non, c'est vraiment très brûlé. Il faut essayer. Oh, c'est tellement chaud, ma langue. Ouais, je suis d'accord. Et où le frigo? Je vais mettre tout ça ici. Juste ce qu'il faut. Oh oui, super. Je vais ajouter du sucre à ce sirop rouge. Ouais, j'adore ce délicieux bonbon. Parfait. Il nous reste plus qu'à remuer un peu. Oui, maintenant c'est prêt. C'est la saucisse que j'ai et je vais la rouler maintenant. Ouais, bellissimo. Il ne me reste plus qu'à ajouter le blanc. Je vais en faire deux pour obtenir une sucette incroyable. Voilà. C'est comme sur le dessin. Ouais, je suis un génie. Alors, ma sucette, je me demande si c'est prêt ou pas. Oh oh! Non, j'arrive pas à bander. Eve, ça fait mal. Mais je sais que c'est gelé. Voilà, regardez la sucette que j'ai. Waouh, quel choix! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne sent même pas bon. Et le goût est dégoûtant. Et c'est quelque chose de très bizarre. Mais ça sent bon. Et le goût est vraiment incroyable. Quoi? Pourquoi elle a pris la main de ma poupée? C'est horrible. Oh! Oh, cette sucette doit être goûtée. Oh, c'est tellement cool, miam! Oui, ça vraiment, c'est le meilleur. Ouais! Ouais, je savais. Le dernier trait, et voilà, une pastèque. Génial! Et comment la casser? Peut-être comme ça. Voilà, avec toute la force. Non, j'y arrive pas. Et moi, je vais utiliser une scie. Ouais. Non, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais ça vole vers moi. Wednesday, fais attention. Regarde. Désolée, mais c'est de l'art. Ouais, juste ce qu'il faut. Un cerveau parfait. Quel plat étrange. Je vais rendre beaucoup plus soigné. Alors, coupons un morceau. Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais prendre un mixeur et transformer le tout en liquide sans toucher à la poêle. Maintenant, je vais verser tout l'excédent. Ouais, ensuite, je vais verser la gélatine et un peu d'eau. Je mélange le tout. Je vais ajouter le colorant. Et je vais tout bien remuer. Ouais, j'en aurai six de ces trucs. Oh, c'est dégoûtant, ça. Je suis pas d'accord avec toi. Continuons. D'abord, je vais verser la gelée rouge. Puis l'orange. Puis le jaune. Je vais mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Faire des couches. Et recouvrir d'un couvercle en forme de pastèque. Oh ouais, génial.
C'est quoi ce bruit? Moi, je vais te bien casser. Non, je me suis coupé le bras. Oh non, il faut que je l'aide. Oh non, mais maman, je suis comme un chat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ne frappe pas sur la pastèque. Voilà, le clic, c'est tout. C'est tout. Merci. Oui, je suis comme ça. Alors, je prends une cuillère. J'essayais de me retenir. Et... voilà. C'est ma recette. Bon appétit. Par quoi commencer? Bon, je vais commencer par celle-ci. Et vous voyez, je prends le morceau. Et je goûte. Une pastèque comme une pastèque. Oh, c'est quoi ces euros-là? J'ai pas envie de les manger. Bon, je vais manger ça. En fait, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je dois le manger? Est-ce que je dois le couper ou quoi? Je prends le couteau pour ça et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! C'est vraiment intéressant! Waouh! La pastèque la plus savoureuse! Elle est tellement bon! Vraiment incroyable! Bien sûr, on l'a gagné! Qu'est-ce que t'as dit? D'accord. Ouais, c'est autre chose. Ce n'est pas juste! Je me demande ce que c'est que ça. Voilà, c'est prêt. Je veux un sandwich. Il est si gros et si délicieux. D'accord, je vais prendre la commande. Ouais, je vais le faire. Je suis tout à fait prête. Je vais couper le pain en forme d'hexagone. Maintenant, le fromage. Oh oui. Ça va être super appétissant. Bien sûr, le piment. Oh, là, indispensable. Un peu de sauce tabasco pour enlever le tout. Oh, tellement piquant. Juste qu'il faut. Je vais en mettre beaucoup. Je vais mettre le pain. Et bien sûr, du jambon. Et bien sûr, je vais tout faire frire. Juste pour ce qui soit noir. C'est pas dangereux, ça. D'accord. Je vais prendre le grille-pain. Je pense pas que ça soit super dangereux. Je vais mettre le pain. Je vais prendre ça. C'est bien. Juste ce qu'il faut. Je vais mettre des marmelades, des guimauves. Et bien sûr des bonbons. Oui, ça va être un délicieux repas. Maintenant, je vais mettre le couvercle. Oh, non, j'y arrive pas. Vas-y, ferme, ferme. Comme ça. Aïe, c'est chaud. Non, mais pourquoi? Oh, waouh! C'est chaud, mais très très bon. Oui, mes sandwichs sont parfaits. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Regardez comment on travaille un professionnel. Un peu de fromage et de jambon. Un tout comme ça. Bien sûr, les frites. Il faut les écraser. Bref, ce sont des Cheetos, en fait. Non, c'est pas ce qu'il faut. Je vais prendre l'œuf. Et je vais tout bien remuer. Maintenant, je vais prendre le sandwich. Je vais mettre dedans. Et maintenant, le panier avec des Cheetos. Je vais ajouter l'huile. Et voilà. Ça va être super bon. Maintenant, je vais prendre le sandwich. Ah ouais. Ça, je comprends ça. Bon appétit. Choisis. Alors, par quoi commencer? Je vais bien le couper. Oh, tellement appétissant. Oui. Parfait, c'est génial. J'adore ce sandwich. Mais pourquoi elle est tellement petite? Maintenant, je vais prendre celui-là. Oh, wow. C'est avec de la marmelade. Vraiment super bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est horrible. Je vais même pas le goûter. Oui. C'est tellement épicé. Aidez-moi. Sauvez-moi. De l'eau, s'il vous plaît. Oh,
quelque chose de sucré. Oui, ça c'est le gagnant. Ouais, j'ai gagné. Oh, petite Margot, qu'est-ce que tu veux? T'as dessiné des gaufres? Oh. Je peux voir sur vos visages que c'était du gâteau. Bah allez, quelque chose ne va pas? Pour être honnête, non. Je crois que je vais essayer d'improviser quelque chose, quelques œufs. On dirait qu'ils vont toujours dans une sorte de pâtisserie, de la farine, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais bien fouetter. Ouais, je mélange tout bien. Alors, oui, c'est vraiment bon. Génial. Alors? Non, mais oh, bien sûr, il faut l'ouvrir. Et voilà, je mets la gaufre dedans. Oui, c'est pas mal, ça. Oh, qu'est-ce qui se passe avec les gaufres? Il y a quelqu'un là? Oh oui, alors, j'allume. Oh non! Ça brûle! Oh non, mon extincteur! Heureusement qu'il est là! Oh, j'y vais! Pas de panique, pas de panique! Alors? Non, toute ma gaufre est brûlée! J'ai déjà préparé ma délicieuse pâte à gaufre. Il ne reste plus le qu'à la faire frire, mais j'ai décidé de ne pas opter pour le design primitif habituel que tous les amateurs feront. Je vais faire de belles gaufres en forme. Je pense que l'ours en peluche et le lapin font plus l'épée qu'une simple cage. Quelles sont les autres créations? Oh, chose, mon fidèle serviteur, merci pour ta fidélité et ton aide. Cette pâte n'est pas du tout à sa place. Je crois qu'il lui manque quelque chose de coloré. Comme mes yeux préférés. Ouais. Ouais, c'est juste qu'il faut. Je pense que c'est génial. Ouais, j'adore. Alors, qu'est-ce que t'as, chef? Moi? Attends, comment tu m'as appelé? Ah, d'accord. Je suis occupée à autre chose en ce moment. Je suis occupée à gagner cette étape. J'ai ajouté de la crème fouettée. Voilà, c'est un délice. Et il faut le couvrir avec le trou moitié, voilà. Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Elle n'a aucune chance. Chose, tu sais ce qu'il faut faire. Chose, qu'est-ce que tu as au chef? Oh, t'es un bon gars. Pourquoi tu fais ce genre de farce? Oh, non, mais quoi? Non, qu'est-ce que tu fais? Oh non, t'as détruit des gaufres de chef. Au point que le chef l'a fait lui-même. Oh non! Oh, mes gaufres! Comment ça se fait? Mes pauvres gaufres! Oh non! Tout le monde est prêt? Essayons un peu. Margot, la nourriture arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une vieille éponge. Oh! Non mais, je vais quand même goûter ça. Pas mal. Et qu'est-ce que c'est ça tout au milieu? Waouh! Des gaufres avec les yeux en marmelade, ça doit être bon. Oh oui, c'est vraiment super. J'adore Wednesday, merci. Ouais, félicitations Wednesday. Margot, qu'est-ce que tu veux? Un milkshake? D'accord. Alors les gars, tout le monde sait cuisiner? Ouais. Bon, je vais commencer par décorer ce joli verre avec du sirop de chocolat. Seul le vrai professionnel font ça. Maintenant, devons tremper le verre dans les paillettes croquantes et colorées au chocolat. Et le verre lui-même a déjà l'air très appétissant, mais ce n'est que le début. Bon, maintenant prendre le mixeur et commencer à préparer la délicate boisson elle-même, un milkshake. La petite Mako va avaler sa langue, je vous assure. Et maintenant, il faut tout bien mélanger. Oh oui, je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais, bien sûr que je vais ajouter des petites friandises. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Wednesday? Alors, tout est prêt la chose? Le technicien du laboratoire a fait un travail parfait. Mon laboratoire personnel est prêt. J'ai préparé le milkshake le plus spectaculaire de la vie de bébé Margot.
tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir quelques tubes avec des liquides secrets. Oh ouais, elles sont trop secrets. Autant de liquides colorés que possible, et se peut. Et maintenant, nous attendons que le mélange soit distillé dans un autre flacon. C'est un processus important. Ouais, chose, allume. Bon. Oh, tout est prêt, maintenant c'est génial. Ouais, comme c'est bon. Ça doit être super. Moi, j'ai fini de décorer le milkshake. Oh, est-ce que c'est génial? Non, c'est pas le bon mot. C'est vraiment super génial. C'est magique. Oh, c'est chef, on a de si bons milkshakes et moi? Ah, oui. Mon frigo, il faut que je trouve ce qu'il y a de sang là-dedans. Oh, wow. Ouais, je vais en fait ajouter tout ce que j'ai de chewing-gum et en spray. Ouais. En fait, c'est cool. Et un peu de poudre. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, un peu de bonbons. Et plus de bonbons. Maintenant, je vais ajouter du Sprite à la Fanta. Parfait. Voilà, j'ai terminé. Je ferme, je secoue. Génial. J'aime beaucoup. Wow. Oui, Margot, goûte. Wow, tout a l'air si magique et appétissant. Oh, ce truc vert, c'est le plus intéressant. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es tellement acide. Horrible. Oh, c'est quoi cette eau de sucre? Il n'y a que moi. Moi, je vais essayer. Wow. Oh, c'est ce que je voulais. Oh, des décorations sucrées aussi. Je sais pas comment faire mieux. Oh, j'ai failli l'oublier. Voyons voir. Oh, comme c'est bon. Ouais, c'était cool. Donc, je propose de commencer avec quelque chose de vraiment délicieux, que ce soit un cocktail. Attends, je vais un tel cocktail pour qu'elle ne peut pas s'asseoir sur une chaise. Bon, c'est mon chaudron et mon livre de recettes anciennes. C'est une bonne chose que je porte toujours ça avec moi. Bon, je vais commencer à préparer le cocktail avec des verres, après les cafards. Oui, bien sûr, du slime vert. Oh, c'est quoi ça? Mais bon, je peux en ajouter beaucoup, c'est de la bave. Ouais, c'est dégoûtant ça. Tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas tout. Bien sûr, du poisson. Le poisson entier. Et pour que les os ne l'empêchent pas de boire, je vais juste jeter le squelette. Et ça doit être bien mélangé. C'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que je fais faire? C'est vrai, pourquoi ne pas simplement combiner les sodas préférés de Kate? Sprite, Fanta et Coca sont exactement ce dont nous avons besoin. J'ouvre et je mélange le tout. Oui, heureusement que j'ai gardé tout ça. C'était mon foie. Oh oui, super bon. Oh, désolé. Oui, en fait, le cocktail est super délicieux. Ouais, génial. Ouais, tu sais pas cuisiner des cocktails du tout. Oui, tout doit être au lait. J'ajoute de la crème glacée, le colorant, et je mixe le tout. Ouais, on va avoir un arc-en-ciel. Quelques minutes et le cocktail est presque prêt. Et je vais le décorer avec de la crème fouettée et bien sûr avec de l'arc-en-ciel. Il faut juste la dessiner. Et après, il faut juste attendre. C'est fait. Je suis sûre que ça va être super. Alors, Kate, t'as juste à choisir le cocktail. Et je sais lequel. Waouh! Vous avez tous préparé des cocktails différents. Je commencerai peut-être par ce qui ressemble le plus ordinaire. Je pense que le cocktail de Betty va me plaire. Très savoureux. Comme si je buvais tous mes sodas préférés à la fois. Oh,
Ouais, génial. Voyons ce que Wednesday m'a préparé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais est-ce que je peux voir et sentir ça toute seule? Quel effet étrange! Le goût de ce cocktail est tout simplement dégoûtant. Elle est restée à essayer ce que le chef m'a préparé. Oui, son cocktail arc-en-ciel est très cool. Et le goût est incroyable. Oui, et l'idée est super. J'adore. Ouais. Et je sais c'est qui a gagné. Ouais, merci beaucoup, Kate. Je sais que je gagnerai. Maintenant, je veux que chacun de vous prépare un burger pour moi. Rien de plus simple. Faut commencer par faire frire de la viande. L'essentiel, ne pas en faire trop. Ouais, ça va être super. Ouais. Wednesday, pourquoi t'as besoin de ça? Ouais, non mais je sais quoi faire avec de la viande. Pourquoi s'embêter comme ça? Il y a un grippant. Je vais juste la mettre ici dans le toast. Oui, il faut juste attendre un peu. Oh! Oh oui, non mais qu'est-ce qu'il fait le chef? Non mais je veux que le burger soit juteux. Ouais, ça va être super frais. Ça va être mon burger de luxe. Pour ce faire, je verse les sauces sur le pain, puis je mets de la viande, fromage, légumes, et bien sûr un autre pain. Mais ce n'est pas tout. Ce serait cool d'ajouter un peu de sauce au fromage. Burger sera plusieurs fois plus savoureux. Bravo! Et alors? Ouais, le burger le plus ordinaire. C'est ce que je vais faire. Et ça mérite vraiment les plus grands éloges. La recette est pratiquement la même. Seul mon burger ressemblera à une énorme araignée noire. Ou d'autres, vous avez vu une telle décision géniale. Wow! Pourquoi ça te brûle? Ah non, c'est ma viande! Non, grippant, donne-moi la viande! Oh. Non, n'importe quoi! C'est pas du tout appétissant! Non, je pense que les légumes et la fromage, c'est juste ce qu'il faut. Oui, cette tomate, je veux qu'il soit plat. Oui, juste ce qu'il faut. Je mets le fromage. Et bien sûr, un autre toast. Voilà. Mais quoique les burgers sont généralement ronds, mais moi, c'est carré. Et je vais le changer la forme comme ça, avec les dents. Tada! Bon appétit, Kate. Oh, je sais pas quoi faire. Wednesday, t'as encore fait quelque chose de terrible. Mais je m'attendais pas à quelque chose comme ça de terrible de ta part. Je mangerai pas cette horreur. Et je vais laisser l'araignée de Wednesday pour le dernier. Chef, ton burger sera le premier. Pas mal. Mais assez habituel. Je m'attendais à plus. Bon, voyons voir l'araignée. Oh, wow! Je savais pas qu'elle était vivante. Arrête-toi! Tu n'as pas échappé. Je vais te manger. Oh! Wednesday, je suis surprise. Mais t'as fait un très bon burger. Il est aussi si beau. Tu gagnes. Ouais. Cette fois-ci, préparé. Une tarte pour moi. J'espère que vous en sortirez. Je vais essayer. Ouais. Oh, j'ai besoin de ton aide. Bon. Je pense que t'as gagné. Maintenant, je vais faire comme ça. Avec un rouleau à pâtisserie. Mais maintenant, je prends le couteau. Et je vais faire les formes. Vas-y la chose, aide-moi. Ça a l'air très cool. Maintenant, il est temps de pomper ses mains avec un délicieux sirop de fraises. Ouais, ça ressemble à du sang. Oh, quel cauchemar. Je vais pas manger tout ça. Pourquoi? Non, mais c'est comestible. Je pense que ça a l'air super.
Alors, il est temps de mettre tout ça dans le four. Voyons ce que Kate va dire. Oui, je vais faire ma tarte sur la recette classique. Oui, regardez comme le cocktail, comme le milkshake. Oui, je vais tout mélanger. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le colorant. Ouais, j'adore quand c'est comme ça, quand c'est coloré. Le mélange a le temps d'être fondu un peu pour qu'il devienne moins épais. Parce que plus tard, je vais l'étaler sur la base de la tarte. Chaque couche de couleur est appliquée progressivement, un par un. Et enfin, vous devez ajouter un peu plus de crème fouettée. Et bien sûr, une pincée de couleur pour rendre le gâteau encore plus lumineux. Mon gâteau fait à la main? Ouais, c'est drôle. Maintenant, je vais juste mettre ça. Oui, dans ce livre, la recette de la tarte est très détaillée. Donc, mais moi, j'ai de la chance de gagner. Il faut d'abord préparer la pâte. Pour ce faire, j'ai besoin de farine, de sucre, d'œufs et un peu de sel. Ouais, et maintenant, je vais tout fouetter. Je sais pas comment faire, mais j'ai des mains. Oui, pourquoi pas travailler avec les mains? C'est fait. Voyons ce que je dois faire. Ah oui, maintenant c'est l'heure de la confiture. J'adore juste ce qu'il faut. Hé, la chose, qu'est-ce que t'as besoin? Sors de mon livre. Tu bloques la recette. Eh bien, il est temps de mettre la tarte dans le four. Oh, je m'attends déjà à ce que la galette soit délicieuse. C'est ma chance de gagner. Non, mais je veux être le chef. Et pourquoi ça sent le brûlé? Ouais, je pense que ça sort de la fenêtre. Oh! Heureusement que je suis là. C'est tellement drôle. Voilà, c'est mon gâteau. Oh, Betty, je crois que t'as fait tellement d'efforts. Mais j'ai pas mangé tout ça. Et ça, ce gâteau est vraiment super. Oh, elle est tellement doux. Wow, elle est encore plus cool. Oh, wow, elle est tellement froid. J'adore. Oui, j'ai vraiment aimé. Wednesday, t'as encore inventé quelque chose d'étrange. J'espère au moins c'est comestible. Mmh? Comme c'est bon! Oui, c'est comme au McDo. Wednesday, t'as gagné dans ce tour. Parce que je suis la plus cool que le monde. Et c'est vrai. Oh, c'est quoi cette chose sur ton épaule? Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, je sais! Je peux avoir un gâteau comme ça? Oh, bien sûr, je peux m'en occuper. Et j'ai besoin de farine et de lait. Maintenant, je casse des œufs, du beurre et bien sûr du sucre. Et je mélange le tout. Ça fait une super pâte, n'est-ce pas, Wednesday? Chose, vas-y. Donne-moi d'abord la farine. Oui, dans le bol. Puis le lait. Puis l'œuf. Ah oui, et n'oublie pas le sucre, chose. Maintenant, remue le tout. Et moi, je vais ajouter un petit quelque chose de moins. Ouais, ça c'est mieux. Bien joué, chose. Quoi? La main a tout fait pour elle? Oh, ouais. Bon, ben, ressaisis-toi. Il faut faire. Je prends des muffins et en fais une première couche. Puis, je vais les recouvrir de crème fouettée. Et une autre couche de muffins plus petit et encore de la crème fouettée. Quelle beauté! C'est bon, ça. C'est quoi cette main qui roule là-bas? Alors, mon gâteau est là. Et où
la chose? Personne l'a vu? Peu importe. Je continue avec le gâteau. Oui, avec mon couteau, débarrassons-nous de ce truc. Ouais, la chose a préparé ça pour moi. Un peu ici, un peu par là. Tout ce qu'il faut. Voilà, une vraie cervelle. Oui, j'aime bien les friands. Bon, le gâteau ne se fait pas tout seul. Il est temps de faire le niveau 2. Je vais recouvrir les trucs de crème et maintenant je vais laisser le tout avec une spatule. Juste comme ça. Génial! Mais le gâteau ne semble pas avoir assez de décoration. Nous allons maintenant y remédier. Je vais recouvrir des moules de chocolat au lait. Et je vais ajouter l'azote liquide. Maintenant, la pâte de chocolat. Et bien sûr, les noisettes. Voilà! C'est génial! Des M&M's. Et voilà, les petits, je vais en mettre juste au-dessus. Et mon gâteau est prêt. T'aimes bien mon SD? Oh, c'est trop sucré. Je vais mettre du sang moins. Beaucoup. Et bien sûr, des yeux. Mieux comme ça. Mais j'adore les arcs-en-ciel, alors je vais ajouter les trucs comme ça. C'est un super gâteau. Waouh, SD! Oh, ton gâteau a l'air vivant! Bien sûr qu'il est vivant. C'est de la cervelle. Goûtons-le déjà. Oh, c'est un énorme gâteau M&M's! C'est quoi, de la cervelle? Bon, je vais mieux de commencer par le gâteau de Ben. C'est juste la crème fouettée, des petits gâteaux, des muffins. C'est bon, mais c'est pas vraiment un gâteau. Bon, maintenant, c'est le gâteau du chef. Wow, c'est un énorme bonbon! Et c'est follement délicieux! Et le gâteau est plus savoureux! Waouh! Je crois qu'elle est en train d'essayer le gâteau de Bronze D! J'espère que ce n'est pas du vrai sang! Attendez! C'est du sirop de fraise! Et ça, ce sont des yeux remplis de marmelade! C'est bon ça! Waouh! C'est bon ça! Wednesday! C'est le gagnant, je peux pas m'en arracher! Wednesday, félicitations! J'adore ce gâteau! Attendez un peu! Est-ce que ça bouge? C'est quoi ça? Une main humaine! Ah! Au secours! C'est sur ma tête! Ah, te voilà la chose! Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça ira? Je veux des pâtes. Des nouilles? Ouais! C'est même un enfant peut le faire. Il y a des nouilles instantanées. J'ouvre le couvercle. Je mets l'assaisonnement. Et je mets la bouilloire. C'est tout. Et... quel gâchis! Wednesday, renverser des asticots dégoûtants sur l'assiette. Je pense que Paige va pas aimer ça. Je vais les jeter. Oh, n'importe quoi. D'accord. Je vais lui faire des pâtes. Je vais juste ajouter de l'eau. Un peu de colorant. Ouais, colorant rouge. Je remue. Maintenant, je vais utiliser mon ségateur pour couper l'excédent des pailles. Pendant que ça gèle, je mets le liquide. Voilà, des biscuits Oreo. Personne ne regarde, je peux pas m'empêcher. La crème est vraiment bonne. Maintenant, je vais faire des miettes. Voilà, la gelée. C'est pas mal. On dirait des verres. Je vais tout mettre ça. Voilà mes spaghettis. Oh, Wednesday, comme toujours. Et moi, je vais faire des pâtes maison. Voilà. Maintenant, je vais la mettre dans l'eau bouillante. Oh, des pâtes fait maison. Non, mais pourquoi faire comme ça? Si tu peux juste mettre de l'eau chaude. De l'eau bouillante. Voilà, on ferme. Oui, je ferme. J'y arrive pas.
Oh, je sais. Ouais, je vais bien la fermer. Oh, à point, Betty. Oh oui, bien sûr. Bon, ma pâte est presque prête. Et je vais la frire juste comme ça. Oh, juste parfait. Bien sûr, un peu de fromage râpé. Et quelques tomates pour décorer. Super beau. Mais regarde, mes nouilles sont bonnes aussi. Oh, non, mais j'arrive pas à ouvrir. Quoi faire? Je sais. Je vais juste mettre la paille ici, avec le chewing-gum. Ça va être même plus pratique. Tada! Ouais, c'est fait. Oh, vous avez beaucoup cuisiné. Ah, je vais commencer par l'option la plus sûre. Oh, c'est pas trop dur, ça? Ça a l'air bizarre. C'est sec? Non, pas cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Des asticots dans le sol? Non. Bon, je vais essayer. Bon, Paige, tu peux le faire. Oh, attendez une minute. C'est très bon, c'est de la gelée et des Oreos. Bon, j'ai pas besoin de la fourchette. Si j'ai bien compris, je vais juste mettre la paille ici. Ah, c'est le chewing-gum mâché. Berk. Je vais essayer. Oh, c'est bon, ça. Et les nouilles sont bonnes aussi. Ben, t'as gagné. J'adore ces nouilles. Oh, vraiment? Moi? Ouais! Ouais, moi! Oh, désolé.